James, mais enfin, où êtes-vous? Je suis là, madame. Sans être flagorneur, je dirais à madame que la robe de madame est splendide. Merci, ce n'est qu'une petite robe d'été sans importance. Élégant. Merci, c'est élégant en effet. Je disais élégant. Avec cette chaleur, il paraît qu'à partir d'un certain âge, il ne faut pas se déshydrater. James, c'est pas le moment de te déshydrater. Un petit coup derrière le nœud papillon, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mmh. Eh bien, mon cher, il y en a qui sont contents. Eh bien, remarquez, ça tombe bien parce que je commence à avoir la cloison qui se dessèche. Ah non! Bon, puisque vous me le proposez si gentiment, j'arrive! Non, madame Chambier! Préparez la bubille! Non, madame Chambier! Oh. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, dommage qu'elle ait une mauvaise circulation. Ça balance, hein, Max. C'est quand même mieux que les tubes de l'été, hein. Oui, mais un tube, c'est souvent creux. Et je nous ai aussi apporté... Bah, alors là, c'est spécial. Un petit maroilles. Mais si, allez-y, ça sent bon le citron. Oh. Sentez-moi ça. Oh. Oh. Oh, ça doit faire longtemps qu'elle n'a pas senti le citron. Oh. Oh. Vous êtes toujours en train de parler des avions qui nous tapent sur le ciboulot. Je déclare les hostilités ouvertes. Là, ça va. Mais oui, madame Chambier, ça vous tape sur le ciboulot. Quoi qu'en ce qui vous concerne, ça ne doit pas taper sur grand-chose. Oh, j'aurais jamais raison avec une vie alpine comme vous. VIP, VIP, monsieur. Ah non, 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 madame Chambier, voilà, vous aviez bien dit. On dit pas VIP, on dit VIP. Vieille pie comme toi. Allez, tu vas, je vais taper la volée, moi. Décidément, vous ne comprenez rien à rien, vous, hein. Non, je dois rendre cette maison, James. J'ai besoin d'argent plus vite. J'ai pas le choix. Ou plutôt, on ne me laisse pas le choix. Oh. 1m50, bonnes années. Je vous la montre maintenant. Quoi donc? Eh ben, ma petite bébête. Si vous voulez, mais on se dépêche alors. Ben, je crois que la botte, elle est plus vieille, non? Oui, mais elle est plus grande. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ah, ben, tiens, tout de suite, tout de suite. Non, mais j'hallucine. Mais c'est-tu pas honteux? Mais je vois encore à ça, à cet âge-là. Et que je te la montre. Et qu'elle est plus grande que la tienne. Ah! C'est dégoûtant, vraiment. Et ce puits? Oh, ce puits, il est... Oh, il est... Il est splendide, splendide. C'est vous qui l'avez fait aussi? Il y a une belle sous le chapeau. Mais dépêchez-vous, voyons le chapeau. Oh, allez, tiens, prends ça, non mais... Et elle aussi, elle en a vu. Les deux labretèches, c'est ici. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Dites, bon. Ouais. Le type en costume là-bas, c'est à vous, maman, qui fait de l'œil? C'est à moi, bien sûr. Ce n'est pas très beau, tout ça. Ah, vous parlez de mon habit? C'est un pantalon que le domestique m'a mis. Recouvrez plutôt ces trois-là. Mais n'ayez crainte, je vous le rendrai. Ciao. Ciao. Je vous le rendrai, je vous l'enlève quelques minutes. Mais pour qui elle se prend, elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Moi aussi, je peux rouler les mécaniques. Allez, je bois un petit verre tout seul. Ciao. Madame Lustignac, votre mari est dans une forme éblouissante. Il est monté, il vient de casser deux flûtes, il est monté sur la table. Il a la vision rayon X et il dit qu'il a le souffle glacé et qu'il va bientôt s'envoler dans le séjour. Je sais ce que c'est qui pue. C'est le cadavre. Le cadavre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une horreur. Le
problème, c'est que l'eau du puits depuis, elle pue. C'est sûrement ça que vous avez senti. Tous des crétins. Oh, ah, mille excuses. C'est pas le cadavre que vous sentez. C'est mon bras droit. Mais non, maman, je suis pas avec une foule. Allô, bonsoir, madame. Eh non, il n'est pas avec une poule. Eh non, il est avec une gorette. Une grosse gorette. Eh oui, madame. Avec qui il va faire des cochonneries toute la nuit. Investissez-vous davantage, je sais pas, moi. Faites du charme à madame Lustignac. C'est facile. Oui, hein? oui, monsieur. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi? Et pourquoi? Monsieur a fait vœu de chasteté, peut-être. Oui. Ah. Avec les femmes. Comment ça, avec les femmes? Vous voulez dire que... cet après-midi dans un clash spécial qui avait eu un crash d'avion hier après-midi. Bah tiens, comme prend monsieur de la Bretèche. Crash, madame Chombier, un crash. Oh bah excusez-moi si je vous ai craché dessus. Hein. Hey, c'est le vol 439. Moi, je vais déjà bouffer ça. Je vais l'étrangler. Concernant la rentrée d'argent dont je t'ai parlé cet après-midi, c'est lui qui a le rôle clé. Alors, ok. Si c'est pour le bébé, ok. Mais uniquement pour le bébé. Monsieur l'a bébé. Voilà. Moi qui ai toujours voulu danser avec un vrai professionnel. Je peux mettre la musique? Oui, mettez la musique, frère. Chez les scouts, l'avenir appartient à ceux qui se louvent tout. Ça, je l'aime bien, celle-là. Vous me lancez une corde, je l'attrape, et là, vous me hissez jusqu'en haut. Oh. Et je vous serre dans mes bras. Oh. Je vous serre dans mes bras comme ça, pour vous remercier de m'avoir sauvé. C'est bien, c'est bien. Je crois même que je vous embrasse. Ah oui, non, mais c'est bon, je vous crois sur parole. Personne. Non, mais il n'y a personne, allez. Hé, hey, tu tapes du talon comme avant. Oui. Quand on s'excite, tu sais pas que je sais. Oui. Oh, tu te souviens, ça me rendait fort. Mais là, c'est pas moi qui... Qu'est-ce que je disais? Il y en a toujours un pour allumer la braise. Eh oui, soyez prudents. Quant à moi, vous savez bien, vous me connaissez depuis longtemps, une tombe. Lui aussi, il tombe. Bon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Au fait, monsieur, un petit conseil. N'essayez pas de jouer les héros. En ce moment, je serais plutôt un sombre héros. Bonjour tout le monde. Madame Chombier, un petit verre de vin blanc pour vous remettre. Eh ben, c'est pas de refus. Hein? Tiens, et pour accompagner, je me suis préparé un petit sandwich au maroilles. Oh. Pourtant, il me semble qu'un bel homme comme vous ne pourrait faire qu'un très beau bébé. Dites, monsieur de la Bretèche, vous avez entendu à la télé, ils ont redit qu'il y avait un avion... Madame Chombier, faut finir. Ah, faut finir, là. Allez-y, Madame Chombier. Oh.
bordel, c'est à ça que vous jouez? Mais c'est merveilleux. Moi qui vous croyais coincé. Ah, c'est formidable. Allez, pupus. En route. Elle s'est fait piquer par une abeille. Oui. Et elle dit qu'il faut appeler les pompiers. Mais comment faites-vous pour comprendre ce qu'elle nous dit? C'est très facile, l'habitude. Je parle piqué d'abeille couramment. Réfléchissez, elle ne peut plus parler. Voilà. Finalement, on comprend bien le piqué d'abeille. On nous empêche même de faire l'amour parce que ça donne le sida. Eh bien, moi, je vous le dis, monsieur Stanislas. Zut crotte, j'ai envie de tout faire en même temps. Allez, pupus, en route. C'est sale, ça. De toute manière, j'en ai ma claque de ce boulot-là. Les amis, je vais les faire valser. Et tous les soirs, je vais faire la java. Et comme ça, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Mais vous auriez vu sa tête quand je lui ai dit que vous étiez viré, que vous n'aviez plus de boulot, que vous alliez vous retrouver à poil. Alors là, vous auriez vu la tête qu'elle faisait. Oui, je lui ai dit que vous étiez viré, oui. Vous lui avez dit que j'étais viré. Oui, bah oui, je lui ai dit que vous étiez viré. Vous lui avez dit oui. Que j'étais viré. D'ailleurs, il fallait le trouver, ça aussi. Ouais, mais malheureusement, c'est vrai. C'est vrai, elle butine. Comme nous les hommes, de fleur en fleur, elle se trempe de fleurs. Mais ça, on peut pas leur en vouloir. C'est la nature qui les guide. Bien. Au revoir, messieurs, dames. Ariane, ma petite Ariane, t'es vraiment une fusée. C'est beau, l'amour, hein? Dites, vous trouvez pas que ça manque un peu d'arbres fruitiers? Vous pourriez peut-être planter des cerisiers, par exemple. Moi, je connais une cerise qui est merveilleuse. Elle s'appelle la guigne. Ah non, oh, pas la guigne. Donc, merci beaucoup et on vous applaudit.